Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique. Et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et c'est donc parti. J'allais vous demander comme ça au déboté, l'homme clé du match, mais je crois connaître votre réponse d'avance. Ah, vous me connaissez trop bien, Grégoire. Eh oui, qui nommer d'autre que Ronaldinho? Ce qui est fou, c'est que non seulement il a l'inspiration de tenter des gestes incroyables, mais en plus, il y réussit souvent. Un vrai régal à voir jouer. Il allonge. Ça, c'est une interception parfaite. Quelle séquence de passe, collectivement c'est parfait. Messi, la relance côté droit. Il allonge vers l'avant. Le ballon dans la profondeur. La passe dans la profondeur. Une... La frappe Le but Seul face au gardien, ça fait mouche, forcément. Oui, ce n'est peut-être pas le but de l'année, mais quelle efficacité! Et ça fait donc 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Oh, c'est chaud. C'est joué long. Dans le dos de la défense. Bien servi. Rashford! Oh, le but! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Oh, ce n'est jamais facile les face-à-face -face avec le gardien, mais il est resté lucide. C'est clair, il n'a pas tremblé, il est allé au bout de son action. Bravo. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ils ont l'air sonnés en face Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Ça passe. Passe intercepté. Il choisit la profondeur. Campbell. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. C'est jouer dans l'espace. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait la réussir. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La longue passe. Gérard. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Bien joué ça. Il s'échappe. Énorme occasion. Oh, but. Il marche juste avant de rejoindre les vestiaires. Tout seul, dans la surface, l'issue était presque certaine. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Mais c'est quasiment suicidaire. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation Pas assez précise cette passe. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. On a vu une première période très agréable avec trois buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Je trouve que c'est un match animé avec deux équipes qui jouent vraiment. Alors, oui, les entraîneurs vont sans doute râler à la pause, car ça manque un peu de solidité en défense, on peut le dire. Mais nous, on ne va pas se plaindre de voir des buts. Trois hein buts en première période, mais ils sont menés deux buts un. Et le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Il tente de la jouer dans l'espace. Rashford C'est joué long, attention. Allez, ça doit faire but Roberto Carlos. L'ouverture lumineuse dans la profondeur. C'est Cristiano Ronaldo, bien repoussé par le gardien. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Oh, le bon ballon. Le bon dribble. Mais si, il marque. Ils égalisent. Le match est complètement relancé. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard. En son point. Les revoilà dans le match. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Il cherche la. Ça peut être dangereux Ça rentre Et ils reprennent l'avantage. Tout seul, face au gardien, l'issue était fatale. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur Les voici avec un but d'avance. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marqué. C'est un véritable métronome. Ronaldinho. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Iniesta. La resplendide. Ah, ça, c'est magnifique. Chapeau. C'est joué long. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Iniesta. Dans la profondeur, il allonge le jeu. C'est une occasion ça Et il est renvoyé par le poteau Et c'est au fond Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Et ils ont réussi à combler l'écart. Eh oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. et pensaient encore à l'abus. Et maintenant, tout est à refaire. Ah, oh, mais quel dommage, quel gâchis. Mais ils n'arrivent pas. Cristiano Ronaldo. Oh, il marque. C'est tout simplement incroyable. Magic. Voilà la situation complètement inversée. C'était une volée extraordinaire d'équilibre. Oh là là, c'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Pas de réussite sur cette balle en Oh la frappe Oh dommage, la passe était parfaite. Et pourtant ils avaient bien trouvé la profondeur. Dommage, c'était la balle du break. Messi, il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'y trahit avec le petit regard à son coéquipier. Cristiano Ronaldo, oh c'est dommage, quelle occasion Absolument, sa course était parfaite dans le timing pour se mettre en situation de duel. Bon service dans la profondeur. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Oh voilà une défaite vraiment surprenante, ils ont craqué mais bravo aux vainqueurs.